Bonsoir, c'est Madame Doumbé Fall, ceinture noire, quatrième dan de karaté, première femme africaine arbitre mondiale et membre de la commission femmes et sports de la Fédération internationale de karaté. J'ai commencé le karaté après IASU, truc handball depuis les écoles. Donc j'ai commencé en 95 au centre Jacques Chirac avec Matar Cissé, après Nene Koli, Ablaye Diène, Brahim Gueye, tout le monde. Donc on a démarré le karaté là-bas et j'ai pu trouver l'amour et la passion de continuer jusqu'à l'équipe nationale à partir de 98 jusqu'à 2001. Et par la suite, j'ai intégré l'arbitrage parce que ce n'était pas facile dans les catégories lourdes, de plus de 100 kilos. Il y avait les Diarre, Gueye, Amisek et tout ça. Donc j'ai viré un peu côté arbitrage. J'ai démarré en 2005 pendant les Jeux islamiques en Iran, où j'ai décroché ma première participation. Donc, et j'ai pu avoir l'amour et la passion de continuer jusqu'ici. En 2007, j'ai fait premier examen continental à Alger, où j'ai réussi brillamment sur deux étapes. Et après, j'ai fait Bénin pour être arbitre continental avant de démarrer en 2009 au Maroc, au niveau mondial. Et après le Maroc, j'ai fait Malaisie. C'était très dur des fois pour aller représenter le pays, surtout quand la délégation n'a pas les moyens de se déplacer. Donc il faut chercher les moyens de gauche à droite, taper les portes, les bonnes volontés et tout ça. Et des fois, tu peux décrocher un billet. Mais le plus difficile, c'est la prise en charge. C'est les hôtels, c'est les tarifs examen et tout ça. C'est un peu dur, mais j'ai tenu quand même. Et après tout cela, j'ai été victime d'une discrimination de 2012 à 2016. Donc là-bas, c'était encore plus difficile quand tu n'as l'appui de personne. La fédération ne voulait pas appuyer, donc côté examen et tout ça. J'étais obligée de me rabattre vers la tutelle. C'est le ministère des Sports qui m'a toujours offert un billet pour aller participer, pour aller représenter le Sénégal. Mais des fois, c'est la prise en charge aussi qui pose problème. Il m'arrivait même de dormir devant les hôtels, de faire une nuitée pour pouvoir payer le reste. Donc une nuitée d'or et pouvoir payer les trois nuitées, sinon bon, il y a problème. Donc j'ai un peu galéré quand même. Et heureusement qu'on a un nouveau président qui est combattant, karataka et tout, El Morta. Donc après Souleymane Gueye, c'est lui qui m'a vraiment mis en dernière étape pour faire l'examen mondial arbitre A, c'est-à-dire le sommet que j'ai eu à faire en Espagne. Et je l'ai réussi pour être la première femme africaine arbitre à arriver au sommet de l'arbitrage. Et là, c'est une fierté africaine, une fierté jusqu'à ce qu'on m'a mis dans la commission femmes et sports pour représenter toute l'Afrique, parce que je suis la seule africaine, c'est normal. Et là, je me réjouis de ça et je lance un appel aux femmes. Il faut toujours viser haut, viser le ciel et ne jamais baisser les bras, ne vous découragez jamais aussi. Vous allez être piétiné, on va vous indexer, on va vous appeler de tous les noms. Mais il faut avancer, écouter les gens parler et avancer, travailler pour la persévérance, pour la performance et tout. Si vous avez vos diplômes, vous pouvez diriger. Et il est temps aussi que les hommes nous laissent diriger, qu'on arrête de nous mettre derrière ou les adjointes ou autres, qu'on doit être à côté ou devant. Il est temps quand même que les femmes dirigent les instances, comme les présidences de passage Albertine, qui est une fierté, vraiment une référence. Il y a Cécile Faye, qui est aussi une référence et tout. Donc, je demande juste aux femmes d'être plus courageuses encore. C'est un peu difficile, mais d'être plus courageuses et d'avancer, travailler, ne jamais baisser. Et le karaté, c'est pour la vie. Donc, il faut toujours continuer le sport. Surtout nous, les karatékas, une fois que tu es gradé, une fois que tu es arbitre, une fois que tu es président, ça ne t'empêche pas de continuer ton art. Je fais toujours le karaté, je suis toujours en action. Et je fais du karaté, je fais l'arbitrage, je fais la sécurité. Bon, je suis dans les arts martiaux, il faut s'ouvrir, il faut faire tout. Je remercie Africa Sport Développement de m'avoir donné aussi l'opportunité de partager un plateau riche avec Laura Ficelle,
5 fois championne olympique, championne du monde en France et championne de judo. J'ai aussi la karatéka championne du monde plusieurs fois, c'est Laurence Fischer. Vraiment, ça a été agréable de partager ce plateau avec eux et je félicite la lycéenne Air Sénégal aussi pour ce colloque qu'on a partagé à Théorubi qui était vraiment riche. C'est une fondation, c'est à 100% femmes, ils ont 100% femmes, bon, les hommes sont invités bien sûr, mais c'était une course 100% féminine. On a pu quand même déplacer presque 2000 filles à partager cette course et c'était vraiment remarquable et vivement la deuxième édition. Là, je vais juste demander aux filles d'être patientes et, bon, c'est vrai que je suis exemple, je suis une référence, comme je l'ai dit, mais ça laisse à désirer par les filles qui veulent venir et des fois qui demandent que... bon, comme j'ai rien encore, elles ne veulent pas venir tout simplement pour faire l'arbitrage. Elles disent que si vous faites quelque chose, il faut gagner quelque chose. Bon, il faut avoir l'amour d'abord avant de gagner quoi que ce soit. L'amour et la passion. Donc là, on est en train de former des continentaux. On a déjà des arbitres, deux femmes qui sont au niveau continental. Et Inch'Allah, dans l'avenir, on va les amener au niveau mondial pour qu'il y ait d'autres Africaines qui vont être au niveau international. Et là, je lance un appel aux bonnes volontés encore, aux sponsors et tout ça, de venir nous accompagner. Parce que le ministère des Sports ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout mettre sur le dos du ministère des Sports. Il faut que les gens nous appuient un peu côté les arts martiaux. On les attend à bras ouverts. Non, je n'ai jamais été reçue par les autorités à part le ministre des Sports, Matarba, qui c'était avant que je sois arbitre. C'était quand j'étais dans les difficultés avec l'ancien président, il m'épaulait. Vraiment, il me donnait des billets pour aller participer. Mais depuis que je suis arbitre et que je représente l'Afrique, je ne suis pas encore reçue par les autorités, ni la première dame, ni personne. Voilà, j'attends toujours et il y a le barna. Bon, je l'ai juste un message que, comme d'un nouveau coup de flouray, am louray, donc j'attends toujours si je représente l'Afrique. Et je fais tout pour que le drapeau Sénégal flotte entre les drapeaux, s'il y a plus de 100 pays. Je fais tout pour décrocher un billet et aller pour que le drapeau Sénégal y figure. Des fois, il m'arrive de dormir dehors pour pouvoir payer mon hôtel et rester avec les championnats pour qu'on dise que l'Afrique n'a pas les moyens, pour qu'on dise qu'elle est juste là pour quelque temps, pour qu'on me voit tout le temps et qu'on sache que le Sénégal est là, représenté par Ndombé, même s'il n'y a pas de délégation. Ouais, d'où le karaté, en fait, comme c'est un amour, il faut toujours apprendre les jeunes à faire les arts martiaux. Pour les filles, ça renforce le côté mental et beaucoup de féminité, vraiment. Et ça les aide aussi côté sport et en plus un art martial, un self-défense, donc c'est autre chose. Pour les enfants, ça les maîtrise et il y a la discipline et il y a le savoir. Donc c'est ça, il faut faire le karaté par amour et par passion, mais il y a le sport et il y a aussi côté self-défense qui est important en ce moment.